Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo de type information sur le fameux village abandonné. Alors, le village abandonné, ça veut pas dire un village avec des vraies maisons. Hein. Je voulais dire le village de cabane abandonnée, celui que j'ai fait précédemment comme vidéo. Oui, je pense que vous avez compris. Donc aujourd'hui, je vais parler de ce fameux village. Donc en fait, il faut savoir que ce sont des cabanes de jardin. Et à cet endroit, il y avait des jardins. Parce que ce sont des cabanes de jardin. Voilà, c'est bon, vous avez compris. Et ces cabanes de jardin, autrefois, étaient utilisées soit par les ouvriers de la mine ou les retraités et autres personnes. Comme ce lieu a disparu, en fait, faut savoir que je l'ai découvert en me promenant sur un chemin, comme vous l'avez vu au début de la vidéo de l'exploration. Je me promenais, puis on a vu des cabanes, des cabanes. Et là où on a trouvé les yaourts périmés, encore fermés, la confiture et machin et machin. Tous ces gens-là qui travaillaient dans les jardins, enfin qui faisaient leur jardin, en fait, ils étaient tous copains, c'était tous des amis. Et bon, depuis tout à l'heure, je suis sur le bouton stop. Heureusement que j'ai pas arrêté parce que sinon je parlerai pour rien. Bon. Donc, je reviens à mon fameux village. Donc, je disais. Le village, il était autrefois. Non, ça j'ai déjà dit. Donc, ils étaient tous potos, copains, amis, voilà. Et cassaient la croûte là où on était. En fait, on a trouvé des bidons d'eau, des sacs de l'Intermarché en haut, des petites poêles aussi. J'ai marché sur une poêle, il me semble. Une petite poêle, hein, et vous savez, les petites poêles de cette taille. D'une taille, c'est comme un jouet, sauf que c'est. Enfin voilà, vous m'avez compris. Voilà. Et donc, on visite. Et en fait, ce village, il y avait des jardins avant et machin. Et dans cette forêt où on était, En fait, je vous cache pas que cette forêt cache beaucoup de choses. De ruines, de bâtiments, de souterrains, de machins et trucs. Il y a même des sortes de mines, de galeries de mines condamnées. Ouais. Et voilà. Voilà. Enfin, je sais plus ce que je veux dire, c'est génial. Ah voilà, donc. En fait, ce village où on a été, donc aujourd'hui j'ai remis des tonneaux debout parce qu'il y avait tout qui était par terre, machin. D'ailleurs, le toit de la 4L, machin. Au début, je me suis dit, ouais, ça doit être un village de sans-abri et machin. Non, les amis, c'était des cabanes de jardin. C'est là où ils venaient poser tout leur bordel, là où ils venaient faire leur jardin, boire un coup. Pour casser la croûte. Eh ouais. Sur le coup, je me suis trompé. J'ai cru que c'était de sans-abri ou des Roms. Des gens pauvres, quoi. En fait, non, c'était des gens qui venaient autrefois. Casser la croûte et faire leur jardin. Et il faut savoir que ce lieu. Est abandonné. Enfin, je sais que, à mon avis, ce lieu, je pense qu'il est désinfecté depuis quelques années ou 10 ans. En gros, ça fait pas mal de temps que plus personne ne vient dans ce petit village de cabane de jardin. En fait, je dis village, mais c'est un village, mais personne n'habite dedans. Plus personne.
Et d'ailleurs, personne n'habitait dedans. Hein. C'est moi qui. Je savais pas trop au début, donc j'ai mis ça comme titre. Donc voilà. Donc les amis, on est quand même déjà 5 minutes. Punaise. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Allez, ciao ciao, à la prochaine. Bonne continuation.